monde. Bon, ce matin, réveil 7h30. Je me suis endormie à 3h. Je crevais. Il m'arrive encore un truc de fou. J'en ai marre. Regardez, malgré le filtre, ça se voit. Alors, imaginez sans. Je suis brûlée tout là. J'ai une brûlure de cette taille-là. Et tout l'autre côté. Partout, 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 je suis brûlée. Faut pas chercher très loin, hein. C'est à cause de Roaccutane, c'est sûr. Puisque quand on prend Roaccutane, notre peau est beaucoup plus sensible qu'à la normale. Donc tout ce qui est épilation, et bah, y a de risques de fortes brûlures. Donc c'est génial. En plus, ça, je l'ai déjà eu il y a un mois. Et il y a un mois à peu près, j'avais aussi enlevé mon duvet. Bah, ça a fait une croûte, tu vois, c'est une vraie brûlure, genre comme une brûlure. Là, c'est 4 fois pire. Voilà. Attendez-vous ces prochains jours, à mon avis, à ce que j'ai une brûlure bien balèze, qui fasse des croûtes, des fissures, et en plus, ça qui fait bien mal. De là à là. C'est génial. Donc, je viens de googliser, et apparemment, l'épilation à la cire est fortement. Ou avoir des poils, c'est ça? Attends, là, j'y vais justement. Que j'ai rendez-vous avec mon docteur. Là, je suis brûlée. Au moment où je vous parle, j'ai mon œil qui clique. La dose, je pense que c'est pareil, le fait d'arracher brutalement des poils, c'est ça le souci, je pense, qui irrite la peau.